Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de me réveiller, il est aux alentours de 7h30, ce qui explique ma voix encore un petit peu endormie. Comme promis, je vous emmène aujourd'hui avec moi dans les magasins pour essayer de trouver plusieurs choses. Il me faut notamment des rideaux. Juste ici, je pense que vous voyez et que vous reconnaissez en fait les anciens rideaux de l'autre maison en fait. Sauf que voilà, je m'étais arrangée pour que voilà, c'était ma mère qui me les avait fait à la bonne taille selon les fenêtres, etc. Et en fait, dans cette nouvelle maison, il y a tout simplement plus de fenêtres et donc bah voilà, plus de rideaux à acheter. Donc j'aimerais pouvoir retrouver ces rideaux-ci que j'avais eu à Babou du coup il y a 2 ans. Honnêtement, je doute qu'ils gardent les mêmes choses, etc. Donc au pire, je me suis noté voilà la petite référence et tout, ce qui m'en restait un neuf dans mon placard. Mais au final, malgré tout, il me manque encore des rideaux. Donc soit encore une fois, je réussis à trouver ceci chez Babou, soit j'en rachète carrément des autres. Ouais, 6 nouveaux rideaux. Donc à voir. Je dois aussi acheter des appliques. Je pense que vous avez remarqué voilà quand je vous ai fait tous les vlogs. Voilà, ce genre de truc. Ça fait vraiment genre maison pas encore terminée, entre guillemets, pas encore décorée. Et ça, j'en ai pareil 6 dans le salon et dans le couloir. Donc il va m'en falloir aussi pas mal. J'aimerais aussi me prendre une parure de lit et un peu de déco d'automne si j'arrive à trouver, notamment pourquoi pas chez Action. Donc écoutez, c'est parti. J'espère que je vais au moins réussir à trouver les rideaux et les appliques. Pour moi, c'est le plus important. Une fois que j'aurai ça, bon, le reste, la parure de lit, la déco d'automne, c'est pas le plus important. Donc écoutez, c'est parti. J'arrête de papoter et je vous emmène avec moi dans les magasins, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Là je viens de mettre le masque direction Babou. On va essayer, comme je vous le disais, d'aller trouver, je croise les doigts, pour trouver exactement les mêmes rideaux pour éviter de racheter tous ceux du salon salle à manger. On va voir. J'espère que vous m'entendez bien avec le masque. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc écoutez, je croise les doigts pour trouver mes rideaux. Ouh, ça j'aime trop. Il n'y a pas les soucoupes que j'aime bien là? Moi je crois qu'elles étaient de l'autre côté. Ah, ils ont sorti tous les petits trucs d'Halloween. Je pense que je ferai une sorte de soirée Halloween. Bon là je vais pas prendre ça aujourd'hui parce qu'il me reste des trucs. Oh la vache, tain, ça m'a fait peur. Elle est énorme, j'en ai des comme ça mais pas aussi grosses. Donc je crois que les... Oh vache, elle fait flipper aussi celle-ci. Ils ont mis trop de trucs, c'est trop cool. J'ai l'impression que les rayons ils ont complètement changé. Je sais même pas où... Je sais même plus où je suis. Le Babou il est devenu énorme. Il y en a là. Oh mais il y en a beaucoup. Oh non, j'ai pas l'impression que je vois les miens. Ça a pas l'air. Je dois prendre des... Tu sais les barres là qu'on doit clipser. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petites barres. Il n'y a pas besoin de les... Je sais pas si vous m'entendez avec la clim au-dessus. Des petites barres qu'on peut fixer directement au PVC de la fenêtre. Justine, tu passes par là. C'est elle qui m'a donné la petite astuce, une copine. Et franchement, ça c'est trop bien. Et elle m'avait dit de les prendre. Ouais, voilà, c'est ça. Elle m'avait dit d'en prendre à Action ou Babou, ce que j'en avais acheté à Confo, je crois. Et j'en avais payé 15€, je crois, le petit truc. Alors que là, c'est moitié prix. Donc je vais voir à ça, faut pas que j'oublie. Il n'y en a pas des plus grands que ça? 50 à 80, ouais ça doit être ça. Ah mais il y en a encore là. En fait il y a 3 rayons entiers de rideaux. J'espère que je vais en trouver. Là c'est un peu le style des voilages. Il n'y a pas l'air d'avoir. Hein. Pourtant... Bah ouais, je pense que c'est tout. Je vais éviter de racheter la totalité des rideaux, sachant que j'en ai déjà. Bon après, vu qu'ils sont un peu... Bon, pas dans ce style-là, ça j'aime pas trop, mais ils sont gris et blancs, du coup il y a moyen que j'en trouve des autres dans le même style. Mal, ça ressemble pas mal à rayures, entre guillemets, comme ça. C'est pas exactement les mêmes, mais ça ressemble, donc je pense qu'il y a moyen. Je vais voir comment je m'organise avec. Du coup, bah il en reste combien? Ouais, 4. Il y a ceux-là aussi, mais du coup c'est plus crème, je pense que ça va pas aller. Il y a ceux-ci aussi dans le même style, mais c'est plus foncé. Les gris, ouais, on va prendre les 4 puis on va voir. Parce qu'après, les styles comme ça et tout, j'aime pas trop. Ouais, le Babou, il est énorme. Je me retrouve plus du tout dedans. Alors, ouais, non, franchement, je pense qu'on va rester sur ceux-là. Parce que le reste et tout, je trouve pas que ce soit ouf. Donc je pense qu'on va partir sur ceci parce que je verrai comment je m'organise à la maison. Si je mets que ceux-là, si j'enlève les autres, que je les mets dans mon bureau, dans la chambre ou quoi, on va voir. Mais franchement, je vous conseille trop les rideaux de chez Babou. Il y en a plein. Bon après, je vous avoue que nous, près de chez nous, ils l'ont refait totalement. C'est pour ça qu'il est très très gros. Mais il y a vraiment énormément de choix. Et franchement, moi j'en étais très contente. Donc on va prendre ceux-là puis on verra bien.
Bon allez, du coup direction but, on essaiera Confo après si on n'arrive pas à trouver les appliques. J'espère qu'on va trouver là parce que j'ai checké un peu sur internet et franchement il n'y a rien. Merci l'avion. J'aime toujours but, c'est toujours bien décoré et tout. En plus il y a des jeux. Par contre c'est que pour les enfants. C'est que pour les enfants. Je crois qu'on avait joué la dernière fois. Attends. Hop. Merci. Non mais je te préviens maman, moi je veux jouer. Faut un ticket, faut quoi? Récupérer votre ticket. Je crois que t'as le ticket à la caisse, non? Après, ouais. Je sais plus, après? Moi je veux trop jouer. Ah, il est trop beau! J'aimerais trop en avoir un vrai. Ah, on arrive aux appliques. J'espère trop que je vais trouver. Ouh, c'est lumineux. Parce que comment vous dire, j'ai regardé sur internet et clairement c'est soit très laid, soit c'est une blinde. Donc franchement j'espère que je vais réussir à trouver des petites appliques sympas. Dans l'autre maison il y en avait déjà en fait, bon elles étaient très moches. Mais pour le coup ça nous a évité d'en racheter, c'est pas grave. Mais là du coup il n'y en a plus du tout dans celle-ci, donc à voir. Ouais, il y a plein de lustres, de petites lampes, vous savez des... comment ça s'appelle? Lampadaires? Non, pas lampadaires. Si, des lampadaires, comme ça. Mais sinon, il n'y a pas d'applique. Oh. Moi, si vraiment je les trouve pas aujourd'hui chez But Confo, j'ai déjà regardé à Brico Dépôt, Monsieur Bricolage et tout, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. C'était où qu'on était allé? Brico Dépôt, je sais plus. Je crois qu'il y en avait Monsieur Bricolage, ouais. Il y en avait, tu sais, des styles un peu industriels là. Ouais, mais elles étaient chères. Oh, je suis deg. Pas d'applique, pas d'achat, donc pas de jeu. Je suis dégoûtée. Je suis deg. Sachez-le, il n'y a pas d'applique murale chez But. Tant pis. Bah, c'est pas Monsieur Bricolage où on est allé? Si. Si. Bah, du coup, ouais, il y en a. Enfin, il y en a quelques-unes, mais ouais, style un peu industriel et tout. Mais déjà, c'est pas top top non plus. Et ouais, c'est une blinde quoi. Moi je mets pas 30 euros dans une applique, je dois en acheter 6 quoi. Vous imaginez le prix, c'est mort. Oh, de l'air. Du coup mon frontin il est tout pourri. On va faire Conforama et puis s'il y a pas Confo, je les commanderai sur internet. Tant pis. Allez, let's go to Conforama. J'ai pas cette... J'ai trop cette musique dans la tête, c'est ignoble. Alors, je pense que c'en est ça. Oh yes. Cool. C'est pas un truc de fou, bah il y a que celle-ci, bon, celle-là tout seul avec les petits, comment on appelle ça, les abat-jour, ouais. J'aime pas du tout, non. C'est pas très beau, même les box là en bois et tout, les petites box ça j'aime pas du tout. Bon ça par contre c'est des petits trucs à LED, donc je suis pas certaine. Après celles-ci elles sont pas ouf mais c'est basique quoi. Ouais franchement je sais pas. Putain, il y a un truc là qui... Ah voilà, je me disais il y a un truc bizarre qui fait de la lumière. Bon du coup à défaut de prendre les appliques au final je vais regarder un peu sur internet puis je reviendrai si je trouve pas un truc mieux que ça. Mais on a trouvé des housses de couette en... comment ils disent ça? En satin de coton. Ouais, satin de coton. Donc elles sont un peu chères mais ça fait longtemps que je recherchais une bonne parure de lit en bonne qualité et tout. Donc là on voit vraiment la vraie couleur. Au final c'est un peu plus gris que beige je trouve. Bon après, comme je le disais, c'est une parure qui est pas trop donnée. Mais bon, au moins j'en aurai une de très bonne qualité. Donc je vais prendre ça et puis les appliques, bah du coup on verra la prochaine fois parce qu'elles sont pas top je trouve. Bon allez, on va faire un dernier magasin du coup pour cette matinée. Comme je vous disais, les appliques c'est pas grave, je vais essayer de voir sur internet. Puis si vraiment je trouve rien, je reprendrai directement à Confo. Mais là du coup on va aller chez Action. Ils sont sérieux là? Genre, mais non. Il y a que de la déco, enfin que de la déco, il y a toute la déco de Noël. Et là, il y en a un petit peu qui reste ici. Sinon, c'est tout pour Halloween. Permettez-vous de la casser, s'il vous plaît, merci. Ah, merci madame de cette information. Du coup, je sais pas trop. Ça, du coup, j'en ai. Donc, j'ai un petit peu de déco d'automne qui me reste l'année dernière. Ça, j'en avais acheté. Donc, je les installerai direct dans la maison. J'en ai une du même genre, mais en doré. Je pense que je vais en prendre une comme ça. De toute façon, honnêtement, je vais pas avoir grand choix. Non, parce que des bouts de bois, je peux t'en donner. Des petits bouts de bois comme ça, honnêtement, ouais, je préfère entre guillemets qu'on les fasse nous-mêmes. Elle est à combien? 4,99€, ça va. Du coup, je vais prendre ça. Mais du coup, il y a toutes les petites décos, les déguisements, etc. pour Halloween. J'aurais dû le faire avant, mais honnêtement, j'ai pas forcément eu le temps. Donc là, bah du coup, il n'y a plus grand-chose. Je suis un peu deg. Du coup, ouais, j'ai fait un peu le tour de chez Action. Et niveau déco, il n'y a pas grand-chose. Du coup, je vais juste repartir avec ça. Et je vais prendre des petits trucs pour ma petite Polly d'amour. Qu'est-ce que je vais lui prendre? C'est à quel goût ça? Bœuf et dinde, ça va. Parce que le poisson et tout, je lui prends pas parce que ça sent trop mauvais dans la maison. Du coup, bah c'est tout. Je vais repartir avec ça. Je vais en profiter pour reprendre, vous savez, ce genre de plat là. On en a jamais assez, je trouve. Là, il est à 3,99€, donc ça fait pas trop cher. Vous voyez, par rapport à ma main, il est quand même assez grand. Du coup, je vais m'en reprendre un.
Bon bah écoutez, voici du coup le butin de la journée. J'ai trop hâte de donner ça à ma petite douce. Elle va être trop contente. Bon du coup le seul truc que je n'ai pas trouvé comme je vous disais c'est les appliques. Bon après je regarderai sur internet, je verrai plus tard. Au pire vraiment si j'arrive pas à retrouver, j'irai voir les petites, vous savez les plus simples à 12€. Là du coup je suis repassée chez mes parents pour boire un petit café avant de repartir. Et regardez, franchement celle-ci elle est trop belle. C'est les deux premiers du coup qu'ils ont dans le jardin. Franchement celui-ci il est trop beau, j'aime trop. Bon celui-ci il est un petit peu plus vert. Donc écoutez je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène avec moi dans les magasins. Moi franchement j'ai trop aimé, c'était trop cool. Donc écoutez si ce vlog vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Et puis écoutez cette série de vlogs déménagement est également terminée. Je pense que voilà on a fait le tour des cartons, du déménagement, de l'aménagement de la maison, de mon bureau, les magasins etc. Donc écoutez, je pense que je vous montrerai entre guillemets voilà le résultat des appliques, des rideaux, etc. dans les prochains vlogs, parce que je vais continuer quand même à faire des vlogs, même si je clôture au bout de 5 vlogs déménagement cette série-ci. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette série déménagement dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!